Alors voilà, je fais cette vidéo pour marquer d'une pierre blanche cette prise de décision concernant un projet que j'ai et qui me tient beaucoup à cœur, qui est dans ma tête depuis un moment et petit à petit prend forme de plus en plus, du moins dans ma tête. Et du coup, ce projet, ce serait avoir un food truck artistique et pouvoir sillonner la France un peu à la manière des anciens métiers qui avaient cours il y a moult années, pour réparer des objets divers mais spécifiquement spirituels. Peu tout ce qui a trait à la spiritualité. Ce que j'aurais vraiment à cœur, de restaurer voilà, notre intériorité par la restauration de l'objet. Et non pas que l'objet en soi soit ait une quelconque importance, mais mine de rien, c'est l'objet qui peut rendre visible ce qu'il représente, on va dire. Voilà, quand j'aime quelqu'un, je peux l'aimer, mais si je le lui dis, si je le lui montre, c'est mieux. Et voilà, l'objet, c'est aussi prendre soin des objets, c'est aussi prendre soin voilà, de son intérieur. Quand on prend soin, qu'on répare des choses chez soi, on se sent mieux aussi. Si tout est cassé autour de nous, mine de rien, ça joue aussi sur le moral. Et véritablement, voilà, pouvoir redonner vie à ces objets, ce serait pour moi une manière de redonner vie aussi à cette spiritualité qu'ils évoquent, la spiritualité à laquelle ils invitent. Et en profiter aussi justement pour, une fois que l'objet est réparé, faire une petite un atelier en fait de méditation, de prière avec la personne qui m'aura fait cette commande, avec des amis aussi, à elle si elle le souhaite, pour fêter un petit peu cette vie retrouvée. Et puis surtout, voilà, si je restaure des objets spirituels, c'est pour que ça restaure une relation avec le spirituel et l'intériorité qui nous habite. Et du coup, ce petit food truck, j'aimerais beaucoup avoir tout mon matos dedans, ma petite tente, enfin un nécessaire, voilà, pour pouvoir soit aller en camping, soit dans le jardin des personnes qui me font la commande. En fait, il y a vraiment cet esprit d'aller vers et d'aller là où il y a besoin de cette restauration. Donc ce côté pèlerin, nomade, voilà, j'aime beaucoup. Et surtout de pouvoir aller à l'endroit, ne pas avoir d'atelier en particulier, si ce n'est ce food truck. Si tu ne vas pas vers la montagne viendra vers toi. Donc je sais pas si j'ai l'air d'une montagne, tiens, hop, voilà. Je sais pas. Donc tout ça, ça va prendre un certain temps, mais déjà j'aimerais commencer peut-être à louer. Alors déjà je n'ai pas le permis, c'est quand même une chose notable, mais voilà, je compte le passer cette année. Et surtout, je suis tombée amoureuse de petits food trucks tout mignons, tout choupinou, qui sont sans permis. Et c'est des food trucks Exam, méga Exam, enfin voilà, c'est des petites voiturettes sans permis, mais en mode food truck. Et du coup, voilà, j'aimerais bien, j'ai vu un lieu où je pouvais en louer. Déjà, par exemple, partir simplement
en me prenant des vacances, partir avec un, le louer pour voir un petit peu comment je me sens, comment je le prends en main. Voilà, j'ai quelques lieux de restauration où je pourrais déjà aller, où on m'a demandé, où on m'attend, et donc pouvoir tester ça sur une courte durée. Voilà. Et ensuite, faire le permis, pouvoir avoir un véritable food truck. Enfin voilà, c'est encore à mettre en place tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Tout ça va se structurer petit à petit. Mais je tenais à faire ce mot un peu bordélique pour ensuite voir les avancées se faire petit à petit. Et puis bah, je suis sûre que voilà, on verra des choses déjà bien avancées, ne serait-ce que dans un an. Voilà, et c'est bien de voir les choses en l'état et puis de vous faire partager un petit peu cette aventure qui est un peu fofolle. Et, ah oui, voilà, en parlant de fofolle, donc le camion, j'aimerais beaucoup que ça s'appelle Fofolette en goguette, voilà, parce que donc Fofolette création, et puis bah, en goguette, c'est voilà, toujours en marche, quoi, toujours en pèlerinage, et puis sur la route, et surtout en goguette. Et un petit peu, on ne sait jamais vraiment où on va aller, où on va tomber. Et j'aime beaucoup, c'est pas forcément très rassurant, mais j'aime beaucoup donner cette place à la spontanéité et à l'imprévu. Ce qui n'est pas toujours le cas dans nos vies. Il faut que les choses soient bien carrées, calées. Et donc dès que je peux, il y a besoin de cet air, quoi, de aller, on y va et puis on voit. Donc voilà, c'est important pour moi. Donc peut-être que par chez vous, vous verrez un bus magique tout mini, tout choupi, avec un logo et une illustration dessus, Feu Follette en goguette. Retenez bien ce nom et knick knick avec un petit coup de klaxon pour vous demander si vous n'avez pas une intériorité à réparer. Et du coup je vais aller voir aussi les paroisses, enfin, et oui, voilà, toutes les, même les mairies aussi, voilà, il y a des villes, des villages qui ont besoin de restaurer leur statut au lieu qu'elles prennent du salpêtre et tutti quanti. Donc voilà, un peu le projet. Yalla, on verra ce que ça donnera. En tout cas, j'ai besoin de votre force. Mettez en commentaire si ça vous parle, si vous trouvez que c'est complètement barré, mais que vous me suivrez. Et si voilà, si vous avez envie d'en voir un petit peu plus. N'hésitez pas à me partager un petit peu vos retours, ça me boostera et fera avancer mon petit food truck encore mieux que l'essence que je mettrai dedans. N'hésitez pas aussi justement à me dire si vous avez des statues ou des amis, etc., qui voudraient faire réparer un petit peu tout ça. Et aussi, surtout, voilà, prendre un temps ensuite de prière, de méditation, enfin voilà, c'est aussi pour ça que je viens. Vivre ensemble des temps de cœur à cœur, ensemble, et avec celui que moi j'appelle Dieu, mais voilà, chacun peut lui donner le tel qu'il le conçoit, voilà, Dieu tel que chacun le conçoit. Cette partie de nous-mêmes qu'on ne connaît pas forcément et qui ne veut que nous faire grandir et qui ne veut que notre bonheur. Voilà, donc bah, à bientôt, j'espère en vrai, et puis bah, déjà en partage, en commentaire, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à en parler autour de vous, et puis bah, j'espère qu'on se rencontrera sur la route. Bye bye!